Mon micro ne marche pas. Non, ça marche. C'est bien que vous soyez en noir, comme ça je ne suis pas flippée à l'idée de voir vos regards qui me jugent en conscrit. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle donc Ginger Force. Je me présente un petit peu au cas où vous ne connaîtriez pas mon travail. Donc ça fait à peu près 2 ans que je suis sur YouTube. Je présente 2 émissions. Donc il y a une émission qui s'appelle Adaptation. Et comme je ne suis pas très originale au niveau des titres, ça parle donc d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Donc en vrac, ça m'a permis de parler de comics comme Wanted. C'est vous aussi, vous avez pleuré devant ce film. De livres pour enfants comme Madame Doubtfire, de mangas comme Akira, ou encore de livres érotiques comme Histoire d'eau, le BDSM, TMTC. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai également une 2e émission, qui s'appelle Un pavé dans la mare, et qui parle de féminisme de manière un peu générale. J'aurais bien aimé vous en parler, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de parler un petit peu de littérature et de cinéma. Alors, mettre en place une adaptation, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous avez d'un côté les personnes qui ont lu l'œuvre d'origine et qui ont forcément des attentes par rapport à l'adaptation au cinéma, qui ont peur de voir les personnages charcutés, l'histoire modifiée à outrance. Et il y a toujours un petit peu le décalage avec les personnes qui ne connaissent pas l'œuvre d'origine, qui vont la découvrir sur grand écran et qui donc n'auront pas le comparatif. Personnellement, par exemple, je stresse énormément à l'idée de voir le film Deadpool sur scène, qui va sortir en février 2016. Alors le trailer est très rassurant, hein, mais... C'est Ryan Reynolds et j'ai pas confiance. Donc, pour le moment, je serre les fesses, donc on verra. Alors au départ, je voulais vous parler un peu de Fight Club, mais je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous ne l'auraient pas vu. Et c'est vrai que c'est typiquement le jeu. Il ne faut pas spoiler sur scène. Voilà. Parce que moi, on me l'a spoilé, hein, Fight Club. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de vous faire subir ce qu'on m'a fait subir. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'espère vous avez à peu près tous vu. À savoir qui veut la peau de Roger Rabbit. Vous êtes un peu plus raccord sur Roger Rabbit. Tant mieux. Donc le film est sorti en 1988, mais avant de vous en parler, je vais d'abord parler un petit peu de l'œuvre. Au départ, c'est un roman écrit par Gary K. Wolf, qui est un auteur américain né dans l'Illinois en 1941. Alors c'est un auteur et humoriste. Il avait d'abord commencé par se faire connaître avec des écrits de science-fiction, notamment avec Super Bowl, sorti en 1975. Qui étaient, des gens qui font du sport et qui meurent. Donc c'est un petit peu comme Marche ou crève, mais avec des gens en armure, c'est classe. Et donc par la suite, même s'il a écrit plusieurs romans, c'est véritablement Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est sorti en 1981, donc en version originale ou censor de Roger Rabbit, qui l'a fait connaître du grand public. Alors l'histoire, c'est... Alors Roger Rabbit, à l'inverse de ce que vous voyez dans le film, dans le roman, ce n'est pas un personnage de dessin animé, c'est un personnage de comics. C'est-à-dire que, par exemple, quand il parle, tous les personnages de comics ont des bulles qui popent au-dessus de leur tête, avec le dialogue qui s'inscrit au-dessus de leur tête. Alors l'histoire, c'est que Rabbit est un personnage secondaire dans un strip qui est publié dans un journal par les frères de Greasy, et il a un petit peu les boules parce qu'il n'est que le second personnage, il n'est que le second couteau, la star principale étant Baby Herman, pour trop. Donc Roger Rabbit engage le détective privé Eddie Valiant pour savoir pourquoi lui n'a pas droit à son show, à son strip personnel. Sauf que De Greasy se fait assassiner. Et évidemment, étant donné que Roger ne l'aimait pas beaucoup, il est immédiatement identifié comme le suspect numéro 1. Alors ce qui se passe, c'est que le livre n'a jamais été traduit en français, ce qui peut certainement s'expliquer par le fait qu'il y a beaucoup d'argot lié au monde du comics, lié au monde de l'édition, qui était difficilement possible de traduire en français. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour noir, c'est très grinçant. Le niveau de langage est également assez difficile, donc si vous avez un peu de mal en anglais, je vous le déconseille. Personnellement, je l'ai lu et en fait, j'ai un niveau assez moyen en anglais, on va dire, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de références à des mots d'argot, j'ai parfois dû prendre un peu de recul, chercher dans un dictionnaire, et au final, ça m'a un peu sorti du récit. Donc, à voir selon votre niveau d'anglais. Et il y a également des insultes qui sont censurées, c'est-à-dire qu'étant donné que Roger Rabbit est un personnage de comics pour enfants, il n'a pas le droit de dire de gros mots, ce qui fait que lorsqu'il prononce des gros mots, les bulles sont censurées avec des X dans tous les sens. Donc par la suite, une suite est sortie donc en 1991. Donc, plug de Roger Rabbit, c'est pas moi qui décide. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'il est donc sorti 3 ans après la sortie du film, mais ce n'est pas une suite, ce n'est pas un préquel, et ce n'est pas non plus l'adaptation du film en livre. C'est simplement une histoire différente avec les mêmes personnages.
Donc en gros, le premier livre ne sert absolument à rien. Vous pouvez lire le deuxième sans avoir lu le premier. Il est assez sympathique, mais j'ai personnellement préféré le premier. On y voit donc la sœur d'Eddie Valiant, qui est dans un mariage mixte, qui est mariée avec un toon et qui a eu 3 enfants. C'est un peu spécial. Et on va enquêter sur le meurtre de 3 personnes, à savoir Baby Herman, donc la star du comic strip, un acteur qui est censé jouer dans la version toon de Autant n'importe le vent, et Dodger Rabbit, qui est le cousin maléfique de Roger Rabbit. Pas moi qui décide non plus. Et en 2014, c'était assez surprenant, est sorti un 3e roman, que j'ai pas lu personnellement, du coup je ne sais pas si je peux vous le conseiller ou non, qui se passe toujours dans le même univers, avec donc Eddie, Roger et Jessica Rabbit, femme de Roger, qui enquêtent sur une série de chantage au sein du cinéma. Ça a l'air un peu spécial, mais j'ai pas trop envie de le lire en fait. Et donc en 1980, il est sorti Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis. Alors Robert Zemeckis, on a beaucoup entendu parler de lui ces dernières semaines, tout simplement parce que le 21 octobre, c'était la date où Marty est censé revenir du futur. Donc je pense que tout le monde a à peu près vu les films ici, si je ne me trompe pas trop. Alors, Zemeckis, personnellement, je ne m'intéresse pas spécialement à ses récentes réalisations, ça ne m'attire pas véritablement. Ceci dit, je vous conseille quand même de voir ses anciens films, notamment À la poursuite du diamant vert en 1984, et en 1992, L'amour vous va des cheveux, qui est un des derniers films de Bruce Willis où il a lui-même des cheveux. Si vous voulez voir Bruce Willis avec des cheveux, c'est ne regardez pas le 5e élément, regardez L'amour vous va si bien. Alors au départ, Qui veut la peau de Roger Rabbit devait être réalisé par Terry Gilliam. Donc il a réalisé des trucs pas connus, hein, comme Sacré Graal, Monty Bandit, Brasil, ben voilà. Des films que personne ne connaît. Et en fait, Terry Gilliam avait refusé tout simplement parce qu'il jugeait que c'était un défi technique beaucoup trop impressionnant et il a préféré se retirer du projet. Sauf que quelques années plus tard, il a avoué qu'en vérité, ce n'est pas qu'il avait peur du projet, mais c'est juste qu'il avait la grosse flemme de le faire. Et qu'en fait, c'était l'un des plus grands regrets de sa vie, de ne pas avoir réalisé qu'il veut la faire. Alors au niveau du casting, on retrouve donc Bob Hoskins, qui a notamment joué de Super Mario Bros. Qui n'est pas un mauvais film. On crache sur Mario Bros et on crache sur Street Fighter, mais ce ne sont pas des mauvais films, ce sont des films très sympathiques. Vous riez, mais vous savez que j'ai raison. On retrouve également Christopher Lloyd dans le rôle du juge Doom, du juge de mort en français, donc je ne vous donnerai pas ça, je ne dirai pas quelle est sa particularité, au cas où vous n'auriez pas encore vu le film. Ça fait donc de lui le seul acteur ayant participé à tous les films de Robert Zemeckis entre 1985 et 1990, vu que Qui veut la peau de Roger Rabbit est sorti pile entre Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Dans les rôles féminins principaux, on en retrouve deux. Alors tout d'abord, on a Joanna Cassidy, qui joue Dolores, qui est en gros un ancien amour d'Eddie Valiant. Et on a un deuxième personnage, qui est la fameuse Jessica Rabbit, qui est doublée en version originale par Kathleen Turner. Alors Kathleen Turner, c'est une actrice qui n'a pas fait grand-chose. Et en fait, elle avait notamment déjà tourné dans un film de Zemeckis, à savoir À la poursuite du diamant vert. Mais je pense aussi qu'elle a un peu fait des mauvais choix de carrière parce qu'elle a tourné dans un très mauvais Francis Ford Coppola qui s'appelle Peggy Sue s'est mariée, avec Nicolas Cage en second rôle. À mon avis, c'est un petit peu pour ça qu'elle, voilà. Alors après, est-ce qu'on peut considérer que Jessica Rabbit est une princesse Disney dans la mesure où le film a été coproduit en grande partie par Touchstone, qui est la société des films, on va dire, un peu sérieux de Disney? C'est une autre question. Donc, Qui veut la peau de Roger Rabbit est sorti en 1988 et a relancé un peu la mode des films avec des personnages en 2D interagissant avec des acteurs réels. Donc en 92, entre autres, on a eu Cool World. Et en 1997, on a eu Space Jam, qui est très bien dans mon souvenir, mais que du coup, j'ai pas envie de ruiner en le regardant maintenant. Je préfère éviter. Alors, sachant que le fait d'intégrer des personnages en 2D avec des éléments de prise de vue réelle, c'est quelque chose qui était très très ancien, puisque la première fois que cette technique a été utilisée, c'était en 1919, avec Coco le Clown, qui est un dessin animé super anxiogène, réalisé par Max Fleischer, qui est le créateur du personnage de Betty Boop. Mais Coco le Clown n'a pas été trop diffusé, et en vérité, c'est véritablement les studios Disney qui ont popularisé le procédé, car 4 ans plus tard, en 1923, ils ont sorti Alice in Cartoonland, dont vous avez peut-être déjà vu quelques images.
Quand ça bouge, c'est mieux. Ne s'arrête pas là et en fait pendant plusieurs années a développé pas mal de films basés sur ce concept là. Donc on a eu notamment Les Trois Cavaliers Rosses en 1944, ensuite on a eu Mélodie du Sud en 1946 et en 1947 Coquin au printemps. Mais le film qui a véritablement popularisé ça, c'est évidemment Mary Poppins, sorti en 1964. Alors je pense notamment à cette scène où Dick Van Dyke danse avec les pingouins. Alors en gros, vous aviez cette scène a été tournée sur fond orange. Il y avait seulement quelques éléments de décor, donc vous aviez la table, deux chaises et les deux acteurs qui étaient tournés entièrement sur fond orange. Dick Van Dyke danse et les illustrations ont été entièrement faites à la main en post-prod, histoire notamment que la danse des pingouins soit exactement calée sur le pas de Dick Van Dyke. Alors cette animation, on la devait à Hub Iwerks, qui est le créateur du personnage de Disney et qui pour le coup s'était reconverti dans l'animation. Alors par la suite, les studios Disney ont essayé de réitérer le succès de Mary Poppins. Ils ont un petit peu raté. Avec notamment L'Apprenti Sorcière en 71, qui n'est pas fameux effectivement, et Peter et Elliot le Dragon en 1977. Alors malheureusement, les films font des fours au box-office, et du coup Disney décide d'abandonner cet effet spécial pendant à peu près une dizaine d'années. Et donc dans les années 80, on a l'association de Robert Zemeckis et Steven Spielberg, qui venaient tous les deux de sortir des films qui avaient très bien marché au box-office, qui se sont alliés avec Disney, qui avait obtenu les droits du roman qui veut la poudre Jarabit assez tôt, et de Warner Bros, qui détenait non seulement les personnages de Netoons, mais qui en plus avait du pognon, ce qui était vachement pratique. Et Roger Rabbit a été un succès énorme au box-office, qui a fait que ça a renfloué les caisses de Disney, et a permis l'arrivée en 1989 de La Petite Sirène. Et on considère d'ailleurs qu'entre 1989 et 1995, il y a eu ce qu'on appelle le second âge d'or Disney, savoir une période où les dessins animés étaient très beaux, excellemment réalisés, avec beaucoup de moyens, qui ont rapporté beaucoup au box-office. Et cette période s'est à peu près terminée, on va dire, en 1995, avec des collaborations avec Pixar, notamment sur Toy Story. On a donc sur Roger Rabbit la partie animation qui a été réalisée par Richard Williams. Alors Richard Williams est un monsieur qui s'est fait piquer son travail lamentablement par Walt Disney. Il avait réalisé donc le film Le voleur et le cordonnier, mais tous ces personnages ont été volés par Disney pour faire Aladdin. Parce que ça, vous n'avez pas à vous foutre de ma gueule, c'est Jafar. Ça c'est Jafar, ça c'est le sultan, ça c'est Jasmine. Et en fait, Disney a un petit peu enterré l'affaire, histoire de ne pas se faire taper sur les doigts. Et donc Richard Williams était censé réaliser une séquence pour convaincre les producteurs. Il devait réaliser une minute de court-métrage, une minute de séquence, pour 100 000 $, histoire de montrer qu'on était capable de rendre une belle image en insérant des images d'animation, avec de la prise de vue réelle, avec de belles ombres, avec de beaux effets de lumière, et avec une belle interaction entre les personnages 2D et les éléments de décor. Roger, what the hell are you doing here? I need a place to hide. I'm in trouble, Eddie. And why'd you run? In case you haven't noticed, I'm a rabbit. Right, and you're not gonna get away from me again. This time, are ya? Of course not, Eddie. You would never... Alors, cette séquence a complètement convaincu les producteurs et a notamment fait dire à Spielberg qu'il venait d'assister à une grande date dans l'histoire du cinéma. Et la fois d'avant où il l'avait dit, c'était pour Star Wars. Donc voilà. Donc les décors sont, lors de la réalisation de Roger Rabbit, les décors sont dessinés image par image, sont redessinés image par image, c'est-à-dire que lorsque vous avez tout est redessiné à chaque plan. Et étant donné que c'était un petit peu compliqué d'insérer de l'imagerie 3D parce que ça allait rendre faux, tous les véritables objets que vous voyez bouger, c'est grâce à des marionnettistes qui ont été embauchés. Par exemple, la scène de la pieuvre, on a la pieuvre qui verse un verre de martini, c'était en fait des techniciens qui étaient placés au-dessus avec des petites ficelles
et qui animait tout à la main. Donc le plus compliqué apparemment était d'intégrer les ombres, parce que ça demandait de prendre en compte les sources de lumière qui évidemment ne se reflétaient que sur les véritables acteurs. Mais en fin de compte, on peut dire que c'est assez convaincant. Alors par la suite, il y a des accords qui ont été signés, notamment entre Disney et Warner Bros, histoire de faire apparaître des personnages appartenant à des licences différentes. Pour éviter un peu les conflits de clochers, les engueulades à la con et les procès surtout, il y a donc des accords qui ont été passés. Par exemple, Donald Duck et Daffy Duck avaient le droit d'apparaître dans le film, mais ça devait uniquement être ensemble et pendant exactement le même temps. On a eu le même délire avec la scène du parachute dans toute ville, où on a donc Bugs Bunny qui tombe en même temps que Mickey et ils n'apparaissent juste qu'à la fin. Ils apparaissent à la fin du film ensemble avec plein d'autres toons, mais ils n'avaient pas le droit d'apparaître avec d'autres toons sur cette scène-là. Et d'ailleurs, j'ai également appris récemment que à Disney, on a cette image de Mickey qui tombe, mais ils ont enlevé Bugs Bunny. Parce que voilà. Et en fait, c'était Spielberg qui était censé courir après les ayants droit pour leur demander le droit d'utiliser leur personnage de cartoon. Il a réussi à convaincre à peu près tout le monde, mais il n'a pas réussi à avoir, par exemple, Popeye, Titi et Gros Minet ou Casper, le gentil fantôme. Donc au niveau des personnages et de l'ambiance, c'est assez sombre. Il y a pas mal d'histoires crapuleuses. Par exemple, dans le livre, on apprend que Jessica Rabbit a débuté sa carrière dans des comics pornographiques. Et surtout dans le roman, Roger Rabbit est assassiné au bout d'une heure. Mais étant donné que c'est un toon, il a la capacité de produire de lui-même. Parce que Deus Ex Machina, c'est comme ça. Et ça arrange un petit peu tout le monde. Donc l'ambiance est très très sombre, même si c'est quand même beaucoup plus cool dans le film que dans le livre. On a donc Eddie Valiant, qui est un personnage alcoolique, qui est totalement déprimé, après dépressif depuis l'assassinat de son frère par un toon. On a Dolores, qui est toujours un petit peu dans la nostalgie de ses anciennes histoires d'amour passé. On a Jessica, qui est une femme qui est prête à tout pour défendre son mari. Et on a donc Roger, qui est un imbécile heureux, qui se casse des assiettes sur la tête pour faire marrer les copains. Et c'est le seul personnage un petit peu positif, ce qui est assez intéressant et qui pose vraiment le contraste entre les personnages réels, qui sont à peu près tous dépressifs, et les personnages tout qui pètent le feu. Ensuite, il faut savoir que le contexte du film n'est pas sorti d'absolument... n'est pas sorti du cul d'une poule, on va dire. Parce que, par exemple, dans le film, il y a les bus rouges qui sont rachetés par la société Cloverleaf. C'est inspiré d'une véritable histoire, à savoir le grand scandale des tramways américains qui est sorti en 1970, où des compagnies de transport en commun étaient rachetées, histoire de construire des autoroutes. Alors, je voudrais quand même montrer un peu cette image. Donc, on a d'un côté le Los Angeles de 1947, Los Angeles fantasmé, et on a ensuite Toonstown, dans laquelle habitent tous les clowns. Alors l'ambiance avait été inspirée par Chinatown, sorti en 71 et réalisé par Roman Polanski. C'était Zemeckis qui avait demandé au chef opérateur photo d'aller regarder Chinatown, histoire de retranscrire un petit peu cette ambiance. D'ailleurs, je ne sais pas si... Enfin, vous l'avez certainement déjà remarqué, mais le tunnel qui lie Toonsville à Los Angeles, c'est le même qui est utilisé par Biff Tannen, dans Retour vers le futur 2. Donc voilà, pour les 15h soirée, pour vous la péter, c'est bien. Et il y a également une grande partie du film qui se déroule dans cet univers un peu glauque, et surtout ça s'inspire énormément du film noir. Donc déjà on a l'ambiance, ça se passe en 1947, on a le personnage de la pin-up un petit peu inaccessible, on a le détective alcoolique, on a le club de jazz. Au niveau du club de jazz, je reviens d'ailleurs sur cette scène où on a le duel au piano entre Daffy Duck et Donald Duck. Des doubleurs ont été sortis de leur retraite pour redoubler des toons dans la version originale. Alors vous avez par exemple Mel Blanc qui a doublé tout ce qui est Bugs Bunny, Sam le Pirate. Il a doublé énormément de toons pour la Warner. Et vous avez par exemple Meg Westell qui doublait Betty Boop depuis 1930 et qui a été sortie de sa retraite pour faire un doublage sur 5 minutes, qui fait, je crois que son dialogue fait environ 20 secondes. Ils sont venus là dans sa maison de retraite pour les faire ça. Donc il y avait vraiment un souci du détail de retranscrire cette ambiance des années 30-40. Et d'ailleurs, je voudrais quand même revenir sur cette histoire de club, parce que le club, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Les clients sont uniquement des humains. Les gens qui servent sont des clowns. Les gens qui passent sur scène sont des clowns. Et ça fait un petit peu penser au Cotton Club, qui était un club
qui a été ouvert entre 1923 et 40, et qui était basé, on va dire, sur la ségrégation raciale. Voilà, donc ça parle mal. En fait, c'était le Cotton Club, c'était un club. Des Blancs venaient s'asseoir et spectacle donné par des Noirs. Donc on a eu énormément de jazzmen et de jazzwomen qui sont passés dans le Cotton Club. Donc on avait notamment Count Basie, Duke Ellington, Cab Calloway et Billie Holiday. Et ce qui se passe, c'est que si on retranscrit le scénario de Leonardo de Qui veut la peau de Roger Rabbit dans un contexte raciste et qu'on remplace les Toons par des Noirs, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que c'est un Noir qui est accusé de meurtre. Parce que c'est bon, ta gueule, c'est comme ça. Il fait appel à un détective blanc. Les Noirs vivent dans un ghetto. Ils ont le droit de travailler dans la ville des Blancs, mais ils n'ont pas le droit d'y habiter. C'est-à-dire qu'ils sont dans un ghetto. Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film sur la ségrégation raciale. Et ça, j'espère que vous ne l'aviez pas vu venir, parce que c'est quand même mon truc. C'est quand même mon climax. Donc, dans la lignée de Roger Rabbit, il y a plusieurs courts-métrages qui sont sortis. Donc, entre 1989 et 1993. C'était des courts-métrages qui étaient projetés en avant-première de plusieurs productions Disney. Donc, on a tout d'abord Tommy Trouble, qui s'appelle, je crois, en français, Bobo Bidou. Ensuite, on a Roller Coaster Rabbit. Et ensuite, on a Train Mix-Up. Alors, c'était des hommages à la Warner. Ils sont extrêmement bien faits. Et on va jeter un œil à un petit extrait au cas où vous ne les connaîtriez pas. S'inspirer du film, et les éditions Disney ont par la suite édité deux comics, donc on avait d'abord Roger Rabbit, qui se passait dans l'univers des Toons, et Roger Rabbit Toontown, qui se passait dans l'univers des dessins animés dans lesquels joue Roger. Donc c'est une ambiance très très spéciale, l'ambiance est très édulcorée par rapport au film et au livre, donc rien ne vous empêche de les lire, mais ça n'a vraiment pas grand chose à voir avec le film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais une suite a été prévue, mais c'est un peu le bordel. Alors donc, il y a Roger Rabbit, au Discovery de Roger Rabbit, qui est prévu depuis la sortie du film. Le film a énormément marché au box-office, et du coup, les producteurs se sont dit, eh ben, on va en réaliser une suite, comme ça, on va faire du pognon. Mais ça a été une succession de merde. Tout d'abord, ils ont proposé la réalisation à Steven Spielberg. Alors, d'abord, il faut que je vous parle quand même du contexte. Le contexte, c'est que c'est un préquel où Roger Rabbit part en Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ses copains. Et il va croiser sur son chemin Jessica Rabbit qui est obligée de faire le show devant les nazis. Du coup, ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. Roger va la sauver, ils se font des bisous. Et tout est bien, il finit bien. Donc ça se passait dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Ils ont proposé la réalisation à Steven Spielberg. Spielberg qui venait de réaliser la liste de Schindler. Et Spielberg a dit non. Ils ne s'en sentaient pas prêts de faire la satire des nazis. Donc ils ont fait, bon, bah, c'est pas grave, on va laisser un petit peu le projet dans les tiroirs. En 1997, vous avez Michael Eisner, qui est à ce moment-là le patron de Disney, qui commande une séquence test. Séquence test qui était composée d'animation 2D, et d'animation 2D, d'animation 3D et de prise de vue réelle. Sauf que ça rend extrêmement mal et que le projet retombe dans les tiroirs pendant à peu près une dizaine d'années. En 2009, Robert Zemeckis arrive et dit « Vous inquiétez pas, on va faire les Toons uniquement en 2D et avec de la capture de la prise de vue réelle comme on a fait pour le premier film. » Mais le projet est également abandonné. Juste après, on a donc Bob Hoskins qui a interprété Valiant, qui estime qu'il est beaucoup trop vieux pour tourner dans la suite, surtout que de toute façon, en 2012, il met fin à sa carrière pour cause de maladie de Parkinson. En 2009, on a Zemeckis qui revient sur ses paroles et qui dit « Vous inquiétez pas, on va faire de l'animation traditionnelle et le reste en motion capture. » Disney, du coup, dit non, dit absolument non. Et finalement, le projet ne sortira jamais.
Mais Robert Zemeckis nous a fait savoir tout de même que le scénario était dans les cartons de Disney depuis fin 2012. Du coup, on va voir. Personnellement, je pense que ça fait quand même beaucoup de merde sur un seul film pour se dire raisonnablement on va le sortir. Mais le fait est qu'un scénario est chez Disney et qu'on n'est pas à l'abri de voir des personnages en motion capture arriver dans l'univers de Roger Rabbit. Donc voilà, c'est un univers très très vaste qui est étendu à plein de supports différents. Donc, j'espère que la présentation vous a cru. Voilà. Je précise que je n'ai pas pu parler de tout, notamment du fait qu'il y a une scène coupée dans le film où Eddie Valiant se fait bizuter par les fouines à Toontown. On lui pose une tête de cochon cartoon sur la tête, qu'il est obligé de se laver la tête à la tyrannantine pour la faire partir, sur une scène qui est calquée sur la manière de filmer la scène de la douche dans Psychose. Mais c'est une autre histoire, c'est une histoire très vaste. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que ça vous a donné envie de jeter un œil. Et pour ceux qui connaissaient, j'espère que ça ne vous a pas donné envie de voir le préquel. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vais laisser la place à mes collègues.